Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et on va jouer Shaolin. C'est parti. Shaolin, c'est un perso que j'aime beaucoup. Shaolin, comme vous préférez le prononcer, ou Shaolin. Shaolin, c'est quand même très moche. Shaolin plutôt, on prononce pas le H en français. Donc voilà, on va jouer face à un Lex, un Androxus, une Ceryx, un Makoa, un Drogo. Une compo assez tryhard, mais nous aussi, hein, d'une certaine manière. On a un Drogo, on a une Ceryx. Ouais, ça veut gagner des deux côtés. Sur Village enneigé, une map que j'aime bien avec Shaolin. Je préfère Shaolin sur Village enneigé que sur Terre primitive. Donc on va essayer de s'en sortir. Pourquoi? Parce que sur Terre enneigée, c'est un peu en descente, alors que Terre primitive, c'est en montée. Donc Shaolin, il peut pas toucher de très très loin en se mettant en bordure de map. Alors que là, on peut. Allez, c'est parti. C'est parti. On joue avec un Drogos diamant contre un Drogos plate. On espère que le Drogos diamant va nous carry. On va prendre bander l'arc plus rapidement et derrière je réfléchis, est-ce que je prendrai pas ce deck là? Vous obtenez 20% de dirait plan en utilisant retrait. Ouais, on va utiliser ça parce que il y a le votre temps de recharge diminue de 30% pour chaque élimination. On est quand même dans un mode où il y a beaucoup d'éliminations. Alors on est normalement pas un perso qui se joue cautérisé, mais s'il n'y a pas beaucoup de cautérisés en face, ça peut être bien de le prendre. En fait pourquoi? Parce qu'on burst déjà énormément avec une flèche. Normalement on n'est pas obligé d'en prendre une. On va prendre motivation, on va essayer de le jouer à l'ulti, notre Shaolin. Allez go. Alors ça fait longtemps que j'ai pas joué ce personnage, mais c'est un personnage que j'aime énormément dans Paladin, c'est un de mes persos préférés. Donc on est parti. C'est bon, on nous a sauvés. Oh, le team play, mais un truc de malade. Le team play est présent. Le Fernando, il est pas très team play. Il a pas envie. Il nous aime pour lui. Hein. Truc de fou à quel point il nous aime pas. Et il a fini par nous tuer. C'est ouf comment ils nous aiment pas. Hein. Dommage, là on n'a pas eu le team play qu'on a eu tout à l'heure. Et on a raté deux flèches. Donc c'est de notre faute. Hein. Très clairement. Il est où? On sait pas trop. J'ai perdu du temps là. J'aurais pas dû faire ça. Enfin, l'équipe a l'air d'être au taquet. Je voulais essayer de nous mettre des dégâts. Il a réussi. Là, je vais me prendre la balle de l'Androxus. Allez, on régène. Tranquille. Et on revient. Ça passe. Il m'aime pas beaucoup lui, hein. Parce que pour mettre un ulti Androxus sur un Shaolin, faut le vouloir. Bien joué. Bon, il va avoir besoin d'aide. Merde, on va mourir. Mais on fait une bonne gueule. On va partir sur un RHB et une motivation en deux et un havre. Parce que à part le Drogos, si on gère le Drogos, il y a beaucoup de dégâts directs en face. Ah, il arrive à me toucher quand même alors que je suis invisible. My bad. Il nous a quand même... Ah non, je suis pas invisible. Je crois que j'y étais. My bad. Enemy killing spree. Attack us on my trail.
C'est vraiment génial ce mode pour savoir à peu près où sont tout le temps les adversaires. Et essayer de trop attaquer là-dessus. Il est où? Il est là. Il est où notre ami Drogoz? Bien joué, Fernando. Lui, il me déteste. Hein. Mais on lui rend bien. On lui rend bien. Il me déteste, mais on lui rend bien. C'est ça le plus important. On a l'ulti, c'est bien. La game se passe bien, les gars. Je suis content parce que ça fait bien 4-5 jours j'avais pas joué Shaolin. Oh la Shaolin, la Cerise qui a réussi à me brin. Ah j'ai fait nimp. Ah je tire cette flèche, elle meurt en plus. Et j'ai mis trop de temps à réagir. My bad, je pensais pas du tout qu'elle allait faire ça. C'est vrai. Là j'ai, pour une fois je me suis fait tuer dans le dos sans réaction. Bon, c'était un peu dégueu ce qu'on vient de faire. Il est temps de se reconcentrer. Tu dis ça et puis tu rates toutes tes flèches. Okay. De nous finir, on se fait par série, c'est très bien joué. Merde. Oui, on l'a eu. On l'a eu. Yes. Cette flèche allait à caler. Cette flèche allait à caler. Ils sont en train de revenir là. 316 à 200. Ouais, ils sont en train de revenir. On a 1100 gold, on a pas acheté. On est chaud. On est tombé. On est tombé, mais bon, on fait du 1v3 là. Sur ce move, on fait du 1v3. Makoa qui tombe également. Ah, dommage. Faut arrêter de rater. Voilà. Allez, on la gagne cette game, on lâche rien. Et victory, ça gagne, yes papa. Trop bien, avec Shaolin on gagne une game en assaut. On n'a pas le move de la game, c'est le Makoa qui a le move de la game. Ça sera sans doute sur un de ses ultis. On va voir. Voilà, on était hyper paquet là. Hop. Ouais. Ok. Bon, c'est pas le meilleur move du monde, mais c'est le move de la game quand même. Ah, il prend triple kill quand même. D'accord. Ah, on a fait combien de dégâts? Est-ce qu'on a été mieux que notre Drogoz Diamant? Je pense pas. Hein. Je pense que notre Drogoz Diamant a fait vraiment le café. Ouais, 54 000. On est premier en dégâts. On fait du 11-7. Très bonne game. Très bonne game. Je suis étonné de mon Shaolin. On va peut-être commencer à l'envisager de le jouer en ranked, ce perso. Allez,
Le healer, 19 000, 55 000. C'est vrai qu'elle a pas beaucoup heal, la Ceris adverse. Elle fait 33 000 de dégâts par contre, et la nôtre 12 000. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Eh ben, ça s'est bien passé, ce petit assaut avec Shaolin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous avez des questions à me poser sur Paladin, n'hésitez pas non plus. J'essaierai d'y répondre. J'essaie de répondre, on va dire, les premiers jours de publication de la vidéo. Après, ça devient compliqué de regarder tous les commentaires. Mais merci encore. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. Et j'essaie de poster une vidéo de gameplay et un commentary Paladin en ce moment. J'espère que ça vous plaît. Il y a un tournoi vendredi, donc 3v3. Fun siège, donc n'hésitez pas à passer. On se retrouve plus tard et je vous souhaite une bonne soirée. Salut.